Ainsi fais-je aujourd'hui. Et comme notre doctrine semble trop amère à qui ne l'a point pratiquée, comme la foule s'en écarte avec horreur, j'ai voulu te l'exposer dans l'harmonieuse langue des muses, et pour ainsi dire, l'apparaît du doux miel poétique. Puissais-je tenir ainsi ton esprit sous le charme de mes vers, tandis que tu pénètres tous les secrets de la nature et les lois qui président à sa formation. Cette année, en 2019, les Belles Lettres ont 100 ans. Et à cette occasion, nous avons décidé de publier un ensemble de textes, 19 titres au total, de textes classiques tirés de la littérature grecque, de la littérature latine, mais aussi des textes italiens de la Renaissance, des textes chinois. 7 livres sont parus à ce jour, jusqu'au mois de juin. Et puis les 12 autres titres suivront à partir de la fin du mois d'août et jusqu'à la fin de l'année. Parmi ces textes, il y a des textes extrêmement connus comme l'Iliade d'Homère ou les Métamorphoses d'Ovide, et d'autres textes que l'on connaît moins, comme par exemple les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes ou peut-être la Cyropédie de Xénophon. Quittant le bois, je m'en vais à une fontaine et de là à un de mes affûts d'oiseleurs. J'ai sur moi un livre, ou Dante, ou Pétrarque, ou un de ces poètes mineurs comme Tibulle, Ovide et autres. Je lis les récits de leurs passions amoureuses et de leurs amours. Je me rappelle les miennes. L'idée, cette fois, de la série cette série du centenaire, c'est de donner ces œuvres à lire en un seul volume, en ne conservant que la traduction, en conservant un appareil de notes adapté ou simplifié, en tout cas, dans lequel on a éliminé les notes philologiques qui concernaient les problèmes d'établissement du texte ou de traduction du grec, du latin ou des autres langues, mais de fournir des notes explicatives qui permettent d'identifier les lieux, d'identifier les personnages, d'identifier les notions et les problématiques. On a accompagné ces textes parfois d'introductions nouvelles ou tirées des publications, de nos publications. Par exemple, pour les Argonautiques d'Apollonios de Rhodes, on a la chance d'avoir une préface de Glenn Most, qui est un professeur de littérature grecque de l'École normale de Pise, invited professor à l'Université de Chicago en ce moment. Et un soin particulier est également accordé à la couverture grâce aux créations graphiques de Scott Penors, imprimée elle aussi sur un papier qui se prêtait à ce que Scott voulait montrer. J'ai eu la chance d'être appelé pour faire les couvertures et la charte globale de la série du centenaire pour les Belles Lettres. Et l'idée était d'en faire des écrins et donc de trouver une thématique illustrative pour chaque ouvrage. Je parcours les régions non frayées du domaine des Pierrides, que nul encore n'a foulé du pied. J'aime aller puiser aux sources vierges. J'aime cueillir des fleurs inconnues afin d'en tresser pour ma tête une couronne merveilleuse, dont jamais encore les muses n'aient ombragé le front d'un mortel. L'idée était de trouver une thématique sur tous les livres, et donc on a eu l'idée de décliner une palette en fait de couleurs qui va changer suivant les saisons, et d'amener un élément illustratif doré sur chaque couverture qui représente l'ouvrage à chaque fois. Et nous avons fait le choix d'avoir des illustrations, à la fois parce que c'est beau, et aussi parce que si on édite ces livres, si on publie ces livres, c'est parce qu'on pense qu'ils méritent d'être lus aujourd'hui et qu'ils veulent dire quelque chose pour les hommes et les femmes du 21e siècle. Donc le prochain ouvrage que je vais avoir la chance d'illustrer, c'est « Les fables d'Ésope ». Et du coup, là, pour celui-là, comme je vous disais, à chaque fois, j'essaie de changer un peu le style ou en tout cas la manière de faire. Et donc pour celui-ci, on a décidé de faire plus d'illustrations, en fait de faire une vingtaine d'illustrations, mais qui seront des petits éléments. En fait, ça va ressembler assez au travail qu'on a fait sur les couvertures. Et du coup, qui vont venir comme ça parsemer le livre sur des demi-pages, en fait. Et donc, il y a eu un travail aussi au niveau de la maquette pour pouvoir accueillir toutes ces petites choses. Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Aussi, à propos de toute représentation pénible, exerce-toi à dire « tu n'es qu'une représentation ». Tu n'es point du tout ce que tu représentes.
Ensuite, examine-la à loisir, juge-la d'après les règles que tu possèdes et, en tout premier lieu, d'après celles-ci. Rentre-t-elle dans la catégorie des choses qui dépendent de nous ou dans celle des choses qui ne dépendent pas de nous? Et si elle rentre dans la catégorie des choses qui ne dépendent pas de nous, tiens prête cette réponse. Cela ne me concerne pas.